Bonjour. Aujourd'hui, nous allons revoir ce qui s'est passé en Bosnie-Herzégovine et nous allons voir l'implication des États-Unis dans cette guerre. L'implication des États-Unis dans cette guerre à travers des combattants étrangers. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Alija Izetbegović. Cette guerre qui, je vous rappelle, a fait, en tout cas pour ce qui est croate, bosniaque et serbe, à peu près 120 000 morts. Et voici un personnage que vous connaissez bien si vous me suivez sur YouTube. Il s'agit de Madeleine Albright. Ouais, Madeleine Albright. Today, we are dedicating the future site of the American Embassy in Sarajevo, the undivided capital of the independent and sovereign state of Bosnia-Herzegovina. Without seeming too presumptuous, I would like to repeat the words stated more than 30 years ago by President Kennedy, Jasam Sarajevo. Cette femme a joué un rôle principal dans ce qui est de la dislocation de l'ex-Yougoslavie. La voici à Sarajevo, ambassadrice d'honneur. Mais rappelez-vous ce qu'elle disait des enfants irakiens qui étaient morts à cause des sanctions américaines sur Saddam Hussein. Rappelez-vous de ça. Cela fait plus d'enfants morts qu'à Hiroshima. Qu'en pensez-vous? Cela en vaut-il le prix? C'est un choix très difficile. Mais nous pensons que c'est un prix à payer. 1990, une date importante à Tuzla. Tuzla, en Bosnie-Herzégovine. C'est le président bosniaque qui parle. Moram reći ovdje otvoreno, Bosna neće ostati u krnjoj Jugoslaviji. Drugim riječima, Bosna neće i ne pristaje da ostane u Velikoj Srbiji i da bude njen dio. Mais Izetbegović ne parle pas au nom de tous les Bosniaques. Un tiers d'entre eux sont serbes. Ils veulent que la Bosnie demeure dans la Yougoslavie, où vivent la plupart des Serbes. Au Parlement, leur leader lance un avertissement. Nemojte da mislite da nećete odvesti Bosnu i Hercegovinu u pakao. Evo umjesto gospodina Janović, gospodin Izetbegović. Njegov način izlaganja, njegove poruke, možda na najbolji način objašnjavaju zašto mi i možda nećemo više da ostanemo u Jugoslaviji. To večeras govorim ovdje. L'implication de l'Allemagne auprès de la Croatie pèse beaucoup dans l'avenir de la Bosnie-Herzégovine. Il faut préciser qu'au début de ces tensions, la Croatie était déjà indépendante, c'est-à-dire en 1991. The Germans bludgeoned the rest of the community into recognizing the rebel republics. They'll recognize Slovenia and Croatia on Thursday, regardless. Es hat sehr viele Spekulationen gegeben, die Bundesregierung könne in dieser Frage isoliert sein. Aber es war eine sehr, sehr schwierige Verhandlung und ich sage, das Ergebnis übertrifft die Erwartungen, die wir haben. La Croatie a voté pour son indépendance. Les Bosniaques veulent la même chose.
Pendant des siècles, musulmans, serbes et croates ont vécu ici ensemble. Ils doivent désormais décider de leur avenir. La moitié des républiques yougoslaves ont opté pour l'indépendance. Maintenant, c'est aux Bosniaques de choisir. On avait créé une situation dans laquelle la Bosnie était condamnée. La quasi-totalité des Serbes voulait rester dans la Fédération yougoslave. Mais les musulmans et les croates voulaient en sortir. Le président Izetbegovic organise donc un référendum sur l'indépendance. Et comme les musulmans et les croates sont majoritaires, sa volonté l'emporte. Comment la guerre a-t-elle commencé? Ce sont les nationalistes qui ont foutu le bordel à la victoire des élections. So we are expecting the very fast recognition of the republic. Il pense certes qu'il y aura des troubles, mais ne se doute pas qu'ils viendront de son propre camp. Tout commence lors d'un mariage serbe, quand les invités arrivent. Un musulman tue le père du jeune marié. La nuit même, les Serbes se vengent. Leurs miliciens érigent des barricades dans toute la capitale bosniaque. Une grande manifestation est organisée pour la paix à Sarajevo. En effet, la plupart des Bosniens ne veulent pas la guerre. Ils se méfient de tous les extrémismes, aussi bien du président bosniaque que des extrémistes serbes. Predsjedniče Karadžiću, predsjedniče Izetbegoviću, kao ljudi koji predvodite dva naroda, vi znate koja je u ovom trenutku vaša odgovornost. Mi apelujemo u ime javnosti koja se javlja masovno telefonima i koja predlaže vaš sastanak. Izetbegović demande à la police et aux milices bosniaques de défendre le pays. Le lendemain matin, des milliers d'habitants de Sarajevo descendent dans la rue pour exiger la paix. Ils voient la tradition de tolérance de la ville, où le nombre de mariages mixtes est le plus élevé de toute la Yougoslavie, en danger de mort. Ils investissent le Parlement. Vlada se raspala. Narod je prepušten sam sebi. Il s'oppose au nationalisme, d'Izetbegović comme de Karadžić. Le leader serbe les observe depuis son bureau de l'Holiday Inn juste en face. Mais, problème, la foule se précipite vers le QG de Karadžić. Karadžić, le serbe. Et le docteur Karadžić appelle des policiers et ceux-ci, malheureusement, tirent. Il y aura 6 morts. Très vite, la police d'Izetbegović reprend le contrôle du centre, son bastion. I didn't want to take place in... Moi, vraiment, je ne voulais pas faire la guerre. J'avais voté au référendum pour l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine. Nous ne voulions pas être dirigés par des gens qui usent de leur pouvoir. Par exemple, Slobodan Milosevic, qui ne voulait pas voir la Bosnie comme le creuset de toute la nation, avec des Croates, des Serbes et des Bosniaques. Les Serbes se décident à lancer l'assaut contre Sarajevo. Et d'un seul coup, j'ai été obligé de prendre un uniforme, de prendre une arme que je n'avais jamais voulu prendre.
Si je pouvais, je casserais la crosse de mon fusil au coin de la maison. Et je me ferais la malle, direction la France. Paris, mon vieux, c'est les balades. Et moi, je suis là à attendre comme un con de prendre une bastose dans la tête. Welcome. Welcome. This is the Dobrina place. Welcome. Yes, I know. Attaquant sur trois côtés, les forces serbes, appuyées par les chars et la puissance aérienne de l'armée fédérale, convergent vers le centre. We don't accept any confederation in Bosnie-Herzegovina. We don't expect. L'ONU arrive à Sarajevo. Le convoi journalier de l'ONU apporte vivres et médicaments. Ce sont les obus qui viennent d'où? Ah, je peux vous dire. Ici, on ne sait pas trop, quoi. Ça va, ça vient un peu de partout. Alors, en quelques mois, l'armée bosniaque est absolument débordée par la pression serbe. Une internationale islamiste est créée. Ces combattants viennent du monde entier. C'est dans un pays qui pratique un islam ouvert et tolérant qu'arrivent les premiers moudjahidines. Il y avait une sorte d'agence humanitaire appelée l'Agence d'aide au tiers-monde, la TWRA. Cette agence a été fondée par un homme d'affaires soudanais qui connaissait Osama Ben Laden depuis bien longtemps. Et ce sont eux qui organisaient l'acheminement des moudjahidines en les faisant venir sous le couvert de membres de l'association. Parmi ces hommes, Eman Awan, un Syrien. C'est l'un des premiers à arriver en Bosnie et il va devenir l'intermédiaire incontournable entre les autorités bosniaques et les chefs des combattants étrangers. On le voit ici discutant avec le président bosniaque Alija Izetbegović. Début 1992, Eman Awan est aussi chargé d'accueillir les nouvelles recrues. Ce qui nous motivait tous, c'était de venir en aide aux musulmans bosniaques, nos frères de religion. Mourir au nom d'Allah pour aider l'un de ses frères, c'est pour un vrai musulman la plus grande des motivations. Mais pourquoi et comment ces volontaires sont-ils arrivés en Bosnie-Herzégovine? Certains avancent que les États-Unis ont mis un vrai coup de pouce. Fin 1992, les volontaires comme Eman se comptent déjà par centaines. Derrière ce flot incessant, la CIA. Pour les Américains, ces combattants sont une formidable aubaine. Ils vont servir leurs intérêts à la place des Marines de l'US Army. Les Américains voulaient affaiblir le continent européen en créant un incendie dans le jardin de l'Europe. Creating a fire in the backyard. Et donc, dans les Balkans. Pour faciliter l'arrivée des Afghans, ils utilisent la Croatie du président Tudjman. Les troupes sont acheminées par le port de Split et se rendent au front avec la bénédiction des Croates. Au début. Pendant de longues années, j'ai été le directeur des services secrets au sein du commandement de l'armée de Bosnie, et ce jusqu'en 2002. Je sais donc de sources sûres, à travers les nombreux contacts que j'ai eus avec la CIA et les autres services de renseignement, que les Afghans étaient acheminés grâce à un accord passé avec l'armée croate, c'est-à-dire le président Tudjman lui-même. Le but était de provoquer le chaos et la guerre. Pour mener leur campagne guerrière,
les Américains vont s'appuyer sur les riches monarchies pétrolières. Armes, troupes et équipements sont acheminés avec l'appui de la CIA. Mais les fonds viennent de pays comme l'Arabie Saoudite, la Turquie ou même l'Iran. Comme vous allez le voir sur ces images, ils sont reçus officiellement par le président Bosniak. Le côté opérationnel de la brigade est pris en main par Abou El Mali, un Algérien que l'on surnommera le petit Ben Laden en raison de son extrémisme. Le général Morillon dirige l'ONU à ce moment-là. Il vient à Srebrenica voir la population musulmane qui s'est réfugiée dans la ville. Srebrenica, danas moderan grad, jedna je od najstarijih naseobina u našoj zemlji. Nepregledne šume i obilje vodenih izvora privukli su ljude da ovdje osnuju svoja staništa. Dans les premiers mois de la guerre, Srebrenica est devenu le refuge de milliers de musulmans chassés de chez eux. Les forces serbes ont alors assiégé la ville. Au printemps 1993, ils lancent leur offensive finale. J'ai eu le sentiment qu'il s'agissait de balayer la région et de la vider. En disant, c'est fini maintenant, ces types-là nous ont fait trop de mal. Le général Morillon prend personnellement le commandement d'un convoi alimentaire destiné à Srebrenica. Donc j'ai tout fait à ce moment-là pour leur dire, vous me dites que vous voulez la paix, je veux bien vous croire, je vous crois sincère, montrez votre sincérité, laissez-moi aller là-bas. Les Serbes cèdent. Morillon pourra entrer dans Srebrenica. Et ayant affirmé les droits d'accès des Nations Unies, Morillon repart pour son quartier général de Sarajevo. La foule s'amasse. Certains nous remettaient des lettres, d'autres nous demandaient de contacter des gens. Et puis on a mis les moteurs en marche et on est parti. Et on avait vraiment l'impression de se défiler. Je ne sais pas si on était otage ou prisonnier, mais en tout cas, on ne pouvait plus bouger. La manifestation n'est cependant pas aussi spontanée qu'il y paraît. J'avais envoyé un message codé à notre commandant qui disait « Bloquez Morillon à Srebrenica, jusqu'à ce qu'il garantisse la sécurité de la population là-bas. » Deux jours durant, Morillon est retenu dans le bâtiment de la poste. Il lui faut s'échapper. Et il m'a dit, as-tu un drapeau? J'ai dit oui. Un drapeau de l'ONU? Oui. Formidable. Il m'a dit, il me faut un porte-voix, quelqu'un en a-t-il un? Et on en a trouvé un. Alors le général, avec la voix de quelqu'un qui fume 40 Davidoff par jour, a hurlé dans son porte-voix. Il a décidé de rester. On pensait tous qu'on était prisonniers. Mais le général a retourné la situation et ils applaudissaient. If this doesn't work, General, what do you think it will do to the people? Because they warned you. It will work. It will work. Le général Morillon a pris beaucoup de risques. Je crois que si on les réécoutait, un certain nombre de choses qu'il a dites sur l'instant pouvaient induire en erreur, voire même excéder un peu la limite. De fait, la promesse de Morillon est rapidement mise à dure épreuve. Good evening. The battle for Srebrenica tonight appears to be over. Only the terms of the surrender remain to be worked out. The Security Council is meeting as we go on air in an atmosphere of extraordinary confusion. Le général Morillon les avait mis dans une situation terriblement inconfortable, où pour la première fois, ils étaient réellement impliqués dans la confrontation avec Belgrade et les Serbes, ce qu'ils ne voulaient pas. Le texte final sonne très dur, mais les Européens ont gagné. Ils ont fait barrer le mot sanctuaire. Et au lieu de défendre la ville contre les Serbes, les Nations Unies demandent simplement aux partis en guerre de la traiter comme une zone de sécurité. Those against the draft resolution
has been adopted unanimously as resolution 819.